Il y a eu une info qui disait que il va y avoir des grillages qui vont être mis en place. Je vois pas de grillage qui peut être en place parce qu'il y a un souci de circulation. La chaussée est très rétrécie. Du coup, il y a une difficulté de circulation ici. Il faut d'abord casser tous les rochers là et faire un tout petit peu de la place, faire un dégagement de la chaussée. Alors ici, ça commence par là. Vous voyez, toute cette zone là, normalement ça on peut gratter la terre pour avoir un petit peu de la place, chose qui n'est pas faite. Alors non, normalement il devrait y avoir un panneau ici qui dit chaussée rétrécie, mais ici il n'y a rien qui est signalé ni indiqué. Alors ici on a la chaussée rétrécie, c'est ici en fait qu'il faut casser, il faut casser par là pour dégager la chaussée, parce que c'est vraiment serré ici, hein. On passe pas à deux ici, les camions ça passe pas à deux, c'est circulation alternée ici, donc c'est un grand problème ici. Je pense que les autorités devraient se pencher ici pour ce problème là. Ça fait des années que ça n'a pas été grillagé, qu'il y a des rochers qui tombent sur la route. Vous voyez ici, vous avez l'exemple des rochers qui tombent sur la route, très dangereux pour les usagers. Alors je vais monter là. Alors qu'est-ce qu'on a en dessous? Ce qu'on a en dessous, c'est ça, c'est un champ en fait qui est en dessous. Alors ici, là on doit gratter, hein. Faut pas gratter grand chose, hein. Faut casser un peu, hein, pour avoir de la place ici. Vous voyez la difficulté de circulation. Même les véhicules légers ne passent pas à deux ici. D'accord? Les véhicules ne passent pas à deux ici. Il y a une difficulté, vraiment, il y a une difficulté. Regardez, là ici, les gens jettent. Voilà. Ça se voit pas, on jette. En dessous, ça donne ça. C'est un champ qui est en dessous, en fait. D'accord. Alors ici, on va voir l'absence des panneaux. On va voir l'absence des panneaux ici, qui sensibilise cette zone-là. Il y a beaucoup de panneaux qui manquent. On va le voir tout de suite. Et s'il vous plaît les gens, évitez de jeter n'importe où. Évitez de jeter ici. D'accord, c'est pas un endroit pour jeter. Et vous faites ça. Là, quand on regarde plus loin, il y a la mer. Alors, évitez de jeter ici. D'accord, vaut mieux mettre tous les éléments en place pour que les gens puissent circuler en sécurité. Il faut mettre déjà le panneau chaussée rétrécie. Il est ici, d'accord. Il manque un panneau chute de pierre, d'accord. Il faut l'installer ici pour que les gens fassent attention, parce qu'ici, il n'y a pas de sécurisation encore. Depuis des années, c'est resté comme ça. Il n'y a pas de panneau qui avertit aux usagers que ici il y a des chutes de pierre, donc il faut faire attention, d'accord. Ça, il faut bien le sensibiliser, les amis, hein. C'est la sécurité de tout le monde ici. Tiens, le voilà la situation, on est en plein dedans. Deux camions à l'intérieur, panique à bord. Voilà ce que j'étais en train de décrire tout à l'heure. Obligé de taper une marche arrière. Vous voyez, tout ça c'est dangereux, ça crée des bouchons à cause de ça. Des situations dangereuses à cause de ce portion là. Donc il faut prendre en sérieux ce que je suis en train de filmer ici. D'accord, que les autorités se penchent là-dessus, sur ce problème-là. D'accord, c'est un problème vraiment réel. Ici, cette chaussée est très dangereuse en pointe de M'Tsahara. Alors ici, on peut admirer une très belle vue qu'il y a ici, hein. C'est beau chez nous quand même, hein.
Je vous souhaite bonne route, les amis. Soyez prudents et prudentes sur les routes. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, que Dieu protège Mayotte.